Pour l'instant, c'est pour Monsieur Tony Ford qui est juste derrière moi. Alors justement, je me suis tourné, mais je vais rester à ma place comme ça. Je vais le cacher un peu, Tony Ford. Merci Loïc. Ah oui, on est en train de masquer Tony Ford. Ça, c'est coquin, hein, c'est malin. On est complice. Ouh, 85 000. Le top price. 4 œils. Le top price est en train d'être fait. Le top price est en train d'être fait. Sylvain à 90 000. À 90 000 euros, nous sommes maintenant. À 90 000 euros, l'enchère est à droite maintenant. Excellent jument à 90 000. La fille de Le Havre à 90 000 euros. À 90 000 euros, c'est le top price. Là, Le Havre, 262. Il a fallu attendre la fin des deux jours pour avoir le top price à 90 000 euros. Le top price historique de Osarus. Attention, mesdames et messieurs. À 90 000 euros. Against you, sir. Attention. Against you. Ah bah c'est plus Against You, sir. 100 000 euros. Ah pour... C'est la première fois qu'on passe la barre des 100 000, qu'on atteint la barre des 100 000 à Osarus. Et voilà, on vient d'atteindre pour la première fois la barre historique, psychologique des 100 000 euros. Maintenant c'est 105 000, 110 000, c'est l'embellie, c'est la... Magie des ventes, on est en train de vivre un moment historique pour les ventes aux Arus. 110 000 euros pour le 262. Such a lovely filly. Oh, c'est pas fini là. Oh, là on s'envoie en l'air, 115 000 euros. Attention mesdames et messieurs, dans un instant. À 115 000 euros, pas de regret. À 115 000 euros, Sylvain, je vous laisse faire. À 115, on met 120. À 115 000 euros, regardez-la, ne laissez pas partir. À 115 000. À 120 000 euros. Tony Ford vient de mettre 120 000 euros. Je parle tout doucement parce qu'il est juste derrière moi avec mon Quentin de Bergracht. Plus en face, c'est pas là. À 120 000. À 120 000 euros, pas de regret. C'est contre vous, Laetitia de Marteau-Sleff. Ici, à 120 000 euros, on va juger. Dernière fois, pas de regret. Pas ici, plus là-bas. Attention, on va adjuger. On va adjuger. On va adjuger, mesdames et messieurs. Ouh, le marteau allait tomber. Le marteau allait tomber. Oh, il y a du suspense. Un suspense insoutenable. Ah, il se passe qu'un truc là. Il y a une ambiance de folie autour du ring. 125 000, c'était presque fait. Il réfléchit, Tony. Là. Il réfléchit. Une super pouliche de Le Havre qui est là. L'instant est crucial. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'enchérisseur? Va-t-il en mettre une? Ne va-t-il pas en mettre une? Et voilà, c'est fait, il l'a mis. Il a mis son enchère, Tony Ford. Marlboro entre les mains. 130 000 euros, on pulvérise, on explose le top price historique. Attention. Bravo! Bravo, monsieur Ford, il est là. Bravo, Tony Ford. Voilà, une salve d'applaudissements dans les tribunes. Bravo. Alors je laisse les photographes agir. Voilà, la Motrek Consignment. Et donc, Marc-Antoine Bergracht qui signe un bulletin tout à fait historique qui va rester dans les mémoires parce que la première fois à Osarus, on passe les 100 000 euros et on pulvérise même 130 000 euros. Un petit mot, Marc-Antoine. Alors, Le Havre, 130 000 euros, c'est voilà. Voilà, il est félicité de toutes parts. Il a couché chez Johan. Ah, ça fait plaisir. L'adversaire, c'était chez Johan. Tiens, Marc, la caméra est juste là. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet achat? Bon, magnifique pouliche par un étalon plus que confirmé. Je crois qu'aujourd'hui, il faut suivre Le Havre. Voilà, c'est une pouliche sérieuse, certainement très bien élevée. Je crois qu'elle vient de la Covinière. Voilà, bon, maintenant, effectivement, on s'est battu contre un puissant fond. On l'a battu, donc voilà, le combat était dur. Ah, c'est beau de battre chez Johan quand même aux enchères, ça fait une émotion quand même. Ah, c'est bon, oui, les clients, il va un peu tirer la langue, mais bon, c'est comme ça, c'est les enchères, et voilà, on se laisse un peu prendre. Mais bon, c'est une association à nouveau, donc voilà. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'acheteur? On a vu Tony Ford là, qui hésitait, j'en mets une à 125, à 130. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui peut faire la décision qu'on y va ou qu'on n'y va pas? Bon, on se consulte, il y a une complicité, voilà. Et voilà, le bulletin vainqueur, merci Marc, et l'enchère lauréate pour le top price à 262, le 262, le top price à 100.
30 000 euros. Alors un moment qui va rester dans les mémoires de l'agence Osarus pour sa 7e année d'existence. On atteint la somme de 130 000 euros pour cette fille de Le Havre Nostalgia, super pouliche, présentée par la Motrey Consignment.